Cette date, les directs, je suis choquée jusqu'à je suis mal à l'aise, je suis mort. On te laisse? Ouais. Salut tout le monde! Eh, ça date. Ça fait longtemps que vous n'avez pas vu ma tête hein, sur mon compte. Bref, aujourd'hui, c'est pas un direct comme les autres. Ça fait super longtemps, longtemps, longtemps que j'ai pas fait de direct. Ça fait super, super longtemps que j'ai pas fait de direct. Il s'est passé des dingueries. Il s'est passé des dingueries. Je pense que vous avez vu. Enfin, vous avez vu. J'ai plus de copines. Je sois louée, Dieu m'a ouvert les yeux. Je suis seule. Aujourd'hui, je vais vous parler de plein de choses. Voilà, je vais vous parler de plein de choses. Sur toutes les histoires. Ça, déjà, si vous pensez que je vais faire un direct en disant des secrets, balancer des trucs comme certaines ont pu le faire, pas du tout. Là, je suis vraiment pas dans un mood de faire un direct en parlant des gens. De répondre aux insultes qu'on a pu me faire. Je suis vraiment pas dans un mood en disant ouais, toi t'as dit ça sur moi, t'as dit ça. Certes, je vais parler des cas par cas, je vais parler de tout le monde, je vais parler de toutes les histoires, mais je vais vraiment vous donner mon point de vue que j'ai à l'heure d'aujourd'hui. Et voilà. Déjà, pour revenir, je vais parler de la cartel family. Sachez qu'hier j'étais au téléphone avec Wendless. Sachez qu'aujourd'hui j'étais au téléphone avec Cartel, Wendless, ABD. Voilà. On s'est séparés. À l'heure d'aujourd'hui, je peux pas dire qu'on s'est séparés dans des bonnes conditions. Parce que voilà, j'ai fait des choses. Voilà, je suis allée chez Cartel deux fois. Voilà, j'ai dit des choses. Voilà. Aujourd'hui, j'ai discuté avec lui une heure. On a pu discuter sur plein de choses. Il a pu m'expliquer des choses, des ressentis. J'ai pu lui expliquer mon ressenti. Voilà. Moi aujourd'hui, je m'exprime par rapport à ça pour vraiment les on dit qui sont faux pour vraiment les stopper. Voilà, je n'ai pas séquestré Cartel. Voilà, je n'ai pas séquestré Cartel avec mes frères. Il y a eu une histoire due à ce que Inja m'avait dit. Voilà, il y a eu une histoire ce qu'Inja m'a dit. Après, c'est parti très loin. Cartel m'avait envoyé des gros pics qui m'avaient pas plu, je l'ai appelé, on s'est insulté, sa sœur elle est rentrée dedans et du coup bah je suis allée là-bas avec mes frères parce que voilà, faut jamais oublier que même si ce sont des gays, même s'ils se comportent comme des filles, ce sont des garçons. Donc voilà, je suis peut-être allée avec des copines à moi, mais voilà, j'ai ramené des garçons. Après, ça a tourné comme vous avez pu voir. Voilà, donc j'ai pas séquestré Cartel. Maintenant, ce qui est du fait que la Cartel Family, on soit séparés à l'heure d'aujourd'hui, qu'on s'entend pas. Voilà, comme ils avaient dit, ma meilleure amie elle est revenue du bled. Voilà, j'ai pas su faire la part des choses, j'ai pas su traîner, j'ai pas su garder les deux groupes d'amis. Voilà, faut savoir que moi je suis quelqu'un, j'arrive pas à faire deux choses en même temps. Donc là, j'ai pas su gérer mon amitié avec Desperados et mon amitié avec la Cartel Family, désolé, en même temps. Du coup, j'étais plus avec Despé parce que voilà, Despé, c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps. Pour ceux qui parlaient beaucoup, qui disaient, ouais, mais la Cartel Family, tu connaissais avant Despé? Non. Despé, ça fait des années que je la connais. Voilà, ça fait plus de 3 ans que je la connais. On a fait les 400 coups ensemble. Elle a été bloquée au bled parce que justement, on a fait trop de bêtises. Du coup, sa mère, elle l'a mis au bled. Voilà pourquoi moi et Despé, on s'était perdu de vue. Sinon, ça fait longtemps qu'on se connaît. À l'heure d'aujourd'hui, je regrette pas ce qui s'est passé. Voilà, je vais pas mentir en disant oui, je regrette d'avoir fait ci, je regrette d'avoir fait ça. Je regrette rien. Clairement, je regrette rien du tout. Je regrette rien. Donc, je regrette pas d'être allé chez Cartel. Je regrette pas d'avoir fait ci, ça. Sur les réseaux sociaux, beaucoup m'ont fait passer pour la méchante en mode ouais, Bulma ci, Bulma ça. Il y a eu beaucoup de choses. Je me mélange un peu. Voilà, je me mélange un peu. Je sais très bien que vous voulez que je vous parle de la prison. Mais mon manager m'a demandé de ne pas m'exprimer sur ça aujourd'hui. Du coup, je vais pas m'exprimer sur ça aujourd'hui. Mais vous inquiétez pas que je vous ferai un direct sur ça. Maintenant, je vais vous parler de mon groupe de copines MDR.
Clairement, je vais dire vos prénoms. Je sais pas si vous êtes là, mais clairement, je vais pas vous mettre dans la sauce. Donc, je vais parler de H. Je vais parler de Inja. Je vais pas vous mettre dans la sauce. Je vais seulement vous dire vos ressentis. Clairement, je vais commencer par Inja parce que c'est quelqu'un que je considérais énormément. Voilà. Inja, je l'ai connu. On était pas, on se détestait. Voilà, on s'aimait pas du tout. Il y avait des histoires. Voilà, j'ai pas rentré dans les détails. On s'aimait pas. Elle est rentrée dans ma vie un peu. C'est bizarre comment elle est rentrée dans ma vie, mais elle est rentrée dans ma vie. On a fait des 400 coups ensemble. Elle a beaucoup, beaucoup fait pour moi, comme j'ai beaucoup fait pour elle. Je vais pas m'attarder. Je vais pas dire. Je vais pas, en gros, dire ce qu'on a fait l'une pour l'autre. Je vais pas le faire parce qu'elle le sait, je le sais, c'est le principal. Oui, j'ai beaucoup crié sur Inja. Voilà, je vais pas mentir. Je lui ai beaucoup fait de mal. C'est vrai que moi, je suis une copine. Je suis super possessive. Quand je traîne avec une copine, enfin quand je traîne avec quelqu'un, j'aime pas forcément qu'elle a d'autres copines. India, c'était quelqu'un de très influençable. Il y avait beaucoup de copines à elle qui lui faisaient du mal. Et après, elle reparlait avec eux. Moi, ça m'énervait beaucoup. Donc des fois, j'avais des mots très durs. Voilà, j'avais des mots très durs envers India. Je le dis aujourd'hui, je le dis, je ne mens pas. Mais c'était vraiment quelqu'un que je considérais énormément. Ça veut dire que parmi toutes mes copines, India, au bout d'un moment, elle avait la même place que Despé. C'est-à-dire que ma mère la connaît, mon père la connaît, tous mes frères la connaissent. C'est-à-dire que India, elle a vraiment vu tous mes frères. Elle a vu mon intimité. Voilà. Tout, voilà. Aujourd'hui, certaines personnes qui ont traîné avec moi sont parties dire oui, que chez moi, c'était comme si. Désolée, oui, peut-être que je fais la meuf sur les réseaux, mais je suis pas née avec une cuillère dans la bouche. Une cuillère d'or dans la bouche. Voilà, j'ai pas grandi avec mes parents, j'ai grandi en famille d'accueil. Ma mère, elle pouvait pas s'occuper de moi quand j'étais jeune, donc j'ai dû être placée en famille d'accueil. J'ai grandi toute seule, loin de mes frères, parce qu'il faut savoir que malgré mon comportement, j'ai beaucoup de frères. J'ai pas grandi avec mes frères, je suis rentrée chez moi, j'avais 15 ans, donc j'avais déjà grandi. Voilà, les petits trucs que t'as avec ta mère, oui, je viens d'avoir mes règles, maman, comment on fait? Je l'ai pas vécu avec ma mère, je l'ai vécu avec ma femme d'accueil. Donc, oui. Voilà, j'ai pas eu une relation mère-fille comme tout le monde. Donc, quand mes copines, pour me faire du mal, vous dites ça en direct, ouais, ici, elle a pas grandi avec sa mère, ouais, ici, elle est à la DAS. J'ai pas honte de mon passé. Clairement, je vous le dis. J'ai vraiment pas honte de mon passé. J'ai pas honte d'avoir vécu avec les Blancs. J'ai vraiment pas honte d'avoir grandi en foyer. Voilà, c'est une étape dans ma vie qui m'a rendue, certes, plus forte. Voilà, donc j'ai vraiment pas honte. Donc, quand, par exemple, voilà, dans les directs, tu dis, ouais, Bulma, elle a grandi à la DAS. Ouais, Bulma, c'est ci, Bulma, ça. Je suis désolée, t'as critiqué mon domicile, mais t'étais bien contente de dormir chez moi. T'étais bien contente de te laver chez moi. Moi, clairement, j'ai des choses sur toi. Tu sais des choses sur moi, mais je parlerai pas. Et moi, je parlerai vraiment pas. Malgré tout ce que t'as dit, je parlerai pas parce que peut-être qu'un jour, ta mère, elle ira sur YouTube et elle verra mon direct. Et elle me connaît pas, donc je vois pas pourquoi je dirais des choses sur ta mère, sur ta façon de vivre, parce que t'as critiqué ma façon de vivre, mais voilà, on se sait. T'as critiqué ma mère, tu l'as traitée de toxico, mais ma mère, quand tu la voyais, tu lui faisais des bisous sur la bouche. Je regarde encore une vidéo sur Snap et je demande pardon à ma mère, je demande toujours pardon à ma mère de l'avoir laissé t'embrasser sur la bouche, parce que ma mère était une personne que t'aimais énormément. Et elle t'aimait énormément jusqu'à qu'elle voit le direct parce que c'est même pas moi qui a dit à ma mère. C'est ma mère elle-même qui a vu le direct. Elle m'a appelé, elle m'a dit pourquoi H, elle m'insulte alors que j'ai rien contre elle. Ouais. Je réponds pas, je réponds pas H. Je sais pas si tu vas voir le direct. Je te réponds pas parce que j'ai peur. J'ai pas peur de toi. Tu le sais. J'ai pas peur de toi. J'ai pas peur de toi. Et j'ai pas peur de toi. Tu ne m'as pas fait bosser. Je t'ai pas fait bosser. On n'a jamais bossé. Despé n'a jamais bossé. Cristal n'a jamais bossé. Tu as fait des affiches. Vous avez fait des affiches. Je sais pourquoi tu l'as fait. Je sais avec qui tu l'as fait. C'était pas la première fois qu'elle faisait ça. Et ça sera sûrement pas la dernière fois. Tu dis que je t'ai fait du mal, H. Mais tu sais comment je t'ai rencontré. Dans quelles conditions je t'ai rencontré. Et tu sais que traîner avec moi, ce que ça t'a apporté. Certes, j'étais méchante avec toi, sûrement. Je m'en rends pas compte. Je suis quelqu'un de très possessif. Je suis quelqu'un de très possessif, mais voilà, t'es une personne que j'ai beaucoup considérée. Je t'ai énormément considérée. Carrément, j'ai délaissé India pour traîner avec toi. J'ai délaissé India pour traîner avec toi. Voilà. Je vais pas plus m'attarder sur ça. Tu me connais très bien.
T'as pas fait 6 mois dans ma vie, mais là, vu comment je parle, tu sais très bien. Je vais pas mentir, je suis peinée que toi, je t'ai pu t'asseoir avec Lina et dire des trucs sur moi. Des trucs sur moi. On s'était promis de pas se dire des choses que tu as dites. Merliche, je répondrai pas. Genre, je vais même pas faire de direct en disant. En fait, je vais même pas dire tes secrets. Ils sont lourds, ma belle, comme les miens, ils sont lourds. Inja, t'as toujours été influençable. Alors d'aujourd'hui, tu parles avec des gens que tu n'aimes pas. Ça me fait pas mal, hein. Je connais certains points de ta famille, je connais un peu de gens de ta famille, je connais ta grande sœur, je connais tes frères, je connais tes neveux. Je vais pas rentrer dans les détails, je vois ce que tu fais, je parle pas. Voilà, toi, parmi toutes ces filles, t'étais la personne qui devait m'appeler et discuter. T'as voulu te mettre dans l'eau, y a pas de souci. Je dis vos prénoms, j'espère que vous allez avoir des abonnés. Vous en avez eu beaucoup, je vais vous en redonner, ça me gêne pas. Voilà, les abonnés, ça donne pas d'argent. Vous savez, vous pouvez avoir 100K si tu n'as pas la personnalité qui va avec, ça sert à rien. Donc voilà, Merlish. De base, je suis quelqu'un, je dis ouais, je vais pas dire les noms parce que genre, ça donne des abonnés pour vous montrer que je m'en fous des réseaux. Je parle à cœur ouvert. Je parle à cœur ouvert. Je vais parler de toi, Loketo. T'as beaucoup parlé. Alors toi, Loketo. T'as énormément parlé. En fait, moi, je vais pas trop parler de toi parce qu'on n'avait pas une affinité de ouf. Voilà. T'as voulu prouver plein de choses. Pourquoi, je ne sais pas. Soi-disant, tu voulais pas buzz. Mais dès que tu faisais un truc, tu expliquais tout en story. Tu mettais ton snap partout. Tu mettais ton Twitter partout. Pour quelqu'un qui veut pas de buzz, tu sais très bien te faire en communication. J'avais pas de problème avec toi. T'as voulu parler. Je te réponds juste, je m'en fous de ta vie. Je sais que là, à l'heure actuelle, tu me calcules pas, c'est vrai. Mais je suis obligée de répondre au direct que tu as fait parce que voilà, je réponds juste au truc pour mettre les choses au clair. Voilà. Maintenant, que ça soit Awa, Lutchek, les meufs de Stein, tout ça, vous me cherchez. Mais moi, je pars du principe que quand on cherche quelqu'un et on sait où il est, on y va. Quand on cherche quelqu'un et on le veut, on y va. Vous dites que vous êtes venu devant chez Despé, je ne suis pas sortie, c'est vrai. Je panique, je suis pas sortie. Mais vous venez chez Despé, vous êtes 40, vous êtes avec des mecs, vous avez des gazeuses. Vous pensez très bien que. Vous savez très bien qu'en venant devant chez Despé, il allait rien se passer. Parce qu'il y avait sa mère. Sa mère, elle nous considère comme ses filles. C'est logique qu'elle nous mette à l'abri. Moi, je suis désolée, je suis mère de famille, hein, j'ai une fille. Demain, il y a des filles qui veulent la gotte, qui viennent devant chez moi. Je vais pas dire à ma fille, va te battre. Non. Je vais lui dire, tu sors pas et je vais appeler la police. C'est le rôle d'une mère. Nous, on est jeunes, hein. On est jeunes. On pense qu'on est thug à aller chez les gens. Ouais, on va sonner, mais c'est pété. Voilà, ça pue la merde. Donc, ouais, je suis pas sortie. J'assume. Je suis pas sortie. J'ai pas honte de dire oui, je suis pas sortie. Vous êtes venu plusieurs fois. Ouais, deuxième fois, je suis pas sortie. Un jour, vous êtes allé, j'étais pas là. J'ai pas honte. J'ai pas envie de me battre avec vous parce qu'on m'a dit de pas vous calculer. Clairement, vous avez dit que vous avez mis ma tête à prix, tout ça. Mais moi, je suis désolée, hein. Aujourd'hui, j'en avais tellement marre que j'étais en train de clipper. Je vous ai mis l'adresse. Je vous ai mis l'adresse, je vous ai mis l'heure. Si vraiment vous voulez me frapper, vous serez venu. Et me dites pas oui, je vais pas dans la cité des gens. Parce que quand vous êtes venu chez Despé, vous avez pas peur. C'est pourtant dans la cité des gens, vous êtes allé. Donc moi, je pars du principe qu'aujourd'hui, j'ai mis mon adresse. Vous savez où j'étais. Si vous n'êtes pas venu, c'est que vous n'avez pas envie de me taper. Donc, faire des grands directs, faire des vidéos sur Snap en disant oui, Bulma, on va te baiser ta mère, oui, Bulma, on a mis ta tête à prix. Non, vous n'avez pas mis ma tête à prix, vous voulez pas me taper, vous voulez juste faire du brouhaha pour qu'on s'intéresse à vous. Mais au bout d'un moment, moi je suis fatiguée, hein. Clairement, je suis fatiguée. Je peux pas aller où je veux parce que peut-être demain je vais me faire taper et tout, c'est relou. C'est relou. Je vous donne mon adresse, vous venez pas. Et après, vous dites que je suis une salope, je suis pas une salope. Au bout d'un moment, j'en ai marre. Clairement, j'en ai marre. Je vivais très bien ma vie avant de vous connaître et je vivrai très bien ma vie en vous connaissant et en sachant que vous voulez me frapper. Je vous le dis. Vous n'êtes pas mes parents. Vous n'êtes pas ma mère. Vous n'êtes pas mon père. Vous n'êtes pas mes frères. Vous n'êtes pas mes soeurs. Donc, Awa, tu dis que tu veux me frapper. Je t'ai donné mon adresse. T'es pas venu. J'étais au téléphone avec toi. Tu me disais seulement, je te calcule pas, espèce de puta. Mais tu fais des directs en disant que tu prépares quelque chose. Moi, je suis désolée. Tu vas me fumer ma mère. Quand tu sais où je suis, tu viens. Je suis pas dans la provocation. C'est juste que voilà, c'est logique. Je cherche quelqu'un. Je sais où il est. Je vais à lui. C'est logique. Bref. Maintenant, on va parler de Blasco Mwaka. Moi, je vais parler de tout le monde aujourd'hui. Je dis vos prénoms. Blasco Mwaka. Non, désolé. Derrick. On va parler franchement. J'ai dit les prénoms de tout le monde. Donc, Derrick. Oui, Derrick, c'est Blasco Mwaka. Derrick Delin. Delin ou Delin. Je sais pas comment on dit.
Tu avais fait une vidéo où on était, voilà, en train de faire des choses compromettantes. Tu as appelé Desperados en lui disant oui, j'ai fait fuiter la vidéo. Pourquoi? Je ne sais pas. T'es avec une fille qui est superbe. Elle t'aime. Elle est superbe. Pourquoi t'as fait ça alors que tu sais que toi et moi, il n'y avait jamais rien à voir? Sur les réseaux sociaux, on était un binôme de travail. En fait, je vais pas rentrer dans les détails parce que voilà. T'avais fuité cette vidéo. C'était pété. Ah, la vidéo, elle t'a rien apporté. Tu n'as pas gagné de plus d'abonnés. T'es juste un trou du cul qui veut des abonnés. T'as toujours voulu avoir des abonnés, t'as toujours voulu avoir du buzz que tu n'auras pas. T'as utilisé mon nom, ça n'a pas marché. T'as refait une musique en disant bébé, n'écoute pas Puma, je m'en fous de toi. Arrête. Arrête, Derek. T'es un pauvre conca, t'es une tapette, t'es une tafiole, t'es un PD. Et PD, quand je le dis, c'est dans tous les sens du terme, chérie. T'es un PD. Combien de fois je me suis placée devant toi, je t'ai dit t'as quelque chose à faire, tu ne l'as pas fait. Donc en fait, au bout d'un moment. Faire le malin sur les réseaux sociaux, voilà. Tu n'es pas un artiste. T'es un enfant qui essaye de percer depuis des années, qui fait des musiques, ça va nulle part. T'as fait Bulma 1, soi-disant, t'as du talent. Je suis arrivée avec Slap Slap. Ce que t'as fait en un mois, je l'ai fait en une semaine. Désolée. 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 J'étais obligée, c'était notre passe, ça t'a oublié. Bref, pour le coup, je fais pas la meuf, hein. Je fais pas la meuf, mais j'ai des choses dans ma vie qui m'arrivent concrètement qui font que j'ai même plus envie de m'embrouiller avec vous. Excusez-moi, je fais pas la meuf. Ouais, j'ai pas envie de me battre. J'ai plus envie de me battre. J'ai plus envie de faire la niaf. Ouais, j'ai plus envie de faire la niaf. Il y a pas longtemps, quelqu'un qui m'a parlé par rapport à ma fille qui m'a dit Nissi, c'est bientôt tout le monde. Carrément, j'ai dit Nissi là. J'ai même pas dit Bulma, j'ai dit Nissi. C'est bientôt ta fille, elle verra tout ça. En fait, ouais, je me suis trop mis à votre niveau. Je vous ai trop montré qu'on était égal. Eh, on n'est pas pareil. Hein. Genre, vous êtes là, moi je suis en haut. Clairement, j'ai pas votre temps. J'ai pas votre temps. Je sais pas chanter, tout ça, me suivez pas, n'écoutez pas mes choses. Moi, je fais les choses pour moi, pour ma famille. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, arrêtez de m'appeler. Arrêtez de m'appeler. Si vous voulez parler de moi, c'est pas grave. Si vous voulez sortir mes dossiers, faites-le. Si vous voulez m'insulter, faites-le. Qu'est-ce que vous avez dit qui n'est pas sorti? Dexter a mis des photos de ma mère. Dexter a raconté mon passé. En fait, ce que vous savez pas, c'est qu'en France, il y a une loi. Vous dites ma vie, mais je peux aller plainter hein, contre vous. Je peux aller dire que vous avez divulgué des secrets contre moi. Et comme je le répète et je le répéterai toujours, j'ai pas honte de mon passé. J'ai pas honte d'avoir été une fille de la DASH. J'ai vraiment, mais genre, j'ai pas honte. J'ai vraiment pas honte. Moi, vous pouvez critiquer ma mère, vous pouvez critiquer mes frères, vous pouvez critiquer qui vous voulez. J'ai pas honte de ma famille. J'ai pas honte de ma famille. Mais vous qui critiquez ma mère, qui critiquez mon domicile, quand vous dormez chez moi, c'est vos parents que vous fuyez. Ouais, là, Nissi, je vais dormir chez toi parce que ma mère, elle m'a vu dehors. Ouais, là, Nissi, je vais dormir chez toi parce que chez moi, j'en ai marre. Ouais, chez moi, j'ai tout, mais je préfère être chez toi. C'est ce que vous me disiez. Et c'est les mêmes personnes qui s'assoient devant des caméras qui critiquent. Dans la vie, il y a ceux qui ont eu la chance d'avoir vécu aisément, leurs parents avaient de l'argent et tout. Et dans la vie, il y a d'autres qui ont galéré, mais qui ont été heureux. Moi, franchement, j'ai galéré dans ma vie. Hein. J'ai galéré, j'ai souffert. Et j'ai chié de l'eau. Voilà, j'ai chié de l'eau. J'ai chié de l'eau. Mais alors d'aujourd'hui, quand ma mère elle a besoin de 10 euros, ouais, ici j'ai besoin de 10 euros, je lui ramène. Ouais, ici j'ai besoin d'un sac, je lui ramène. Ouais, ici j'ai besoin d'un manteau, je lui ramène. Et je donne pas mon cul, hein. Je donne pas mon cul. Dieu seul sait, hein. Je donne pas mon cul. Mais vous là, je dis pas vos prénoms, mais vous savez, c'est moi, je vous donne 10 euros pour que vous donnez à votre mère. C'est moi, je vous donne à manger pour mettre dans votre bouche, pour chier, puis après parler de moi. Je dirai pas vos noms, vous reconnaîtrez. 1-1 de Paris. Je ne vais pas parler de toi, tu sais déjà, ça fait des années que je te calcule pas, ma belle. Continue de parler de moi. Tu sais, je vais vous raconter une histoire. Pierre et le loup. Pierre, il avait v'là les chèvres. Il avait v'là les chèvres. Et tous les jours, il criait, oh loup, oh loup, oh loup. Son village, il venait, il disait, ouais, il y a quoi? Il disait, ouais, il y a le loup, il y a le loup, ils veulent manger mes chèvres, mais il n'y avait pas de loup. Tous les jours, il criait, oh loup, oh loup, oh loup. Le village, il venait, et à chaque fois, il n'y avait pas de loup. Et un jour, Pierre, ce trou du cul, il a crié au loup, au loup. Personne n'est venu l'aider et il y avait vraiment le loup et ça a mangé ses chèvres. Donc le jour où tu vas trop crier, je vais arriver et je vais te manger. Je vais te niquer ta race. Je vais te frapper d'un poing. Parce qu'en fait, j'ai tellement plus envie de me battre que le jour où toi, je vais t'attraper, ma dernière bagarre, elle sera sanglante. Je vais t'éclater ton gros corps. Ça fait des mois que tu parles de moi. Ça fait des mois que tu parles de moi. Mais tu vois que je te réponds pas. Tu vois que tu ne réponds pas, donc tu t'allies à des gens qui sont contre moi pour que je te réponde. Et je te réponds toujours pas. Je te réponds toujours pas. Donc voilà.
Pour finir, je pense que j'ai fait le tour, j'ai parlé de tout le monde. Je pense que j'ai parlé de tout le monde. Pour finir, clairement, bientôt je vais quitter la France. Je vais aller m'installer autre part. Donc je sais pas, vous allez parler de qui. Mais en tout cas, sachez que moi, à l'heure d'aujourd'hui, le fait de me retrouver toute seule, ça a été bénéfique pour moi. Le matin, je me lève, j'ai pas de problème. J'ai les vrais à mes côtés. Voilà, Desperados, Crystal, Lice, Sarah, genre, Sita, genre, Lisa, Diana, genre, j'ai pas besoin de dire vos prénoms. Genre, vous savez, je vais jamais m'arrêter si je continue de parler. Genre, Ornella, juste Ornella. Merci pour tout, de m'avoir ouvert les yeux. Merci au vrai d'être là à me soutenir. Merci, voilà, j'ai fait du mal. En tout cas, toutes les personnes à qui j'ai fait du mal, je suis désolée. Si je vous ai offensé, je suis désolée. Genre, si vous pensez que je suis mauvaise, je suis désolée. Je sais que je suis une... Ah, mes frères, bah, mes frères, je suis désolée si j'ai pu foutre la honte aux gens de ma famille, que ce soit ma mère, que ce soit mon père, que ce soit mes grands frères, et je parle de mes grands frères. Je suis désolée, et à l'heure d'aujourd'hui, c'est vous que je dois rendre fière. C'est ma fille que je dois rendre fière. Donc, les abonnés qui m'aiment, je vous aime, on est ensemble. Et ceux qui m'aiment pas, bah, je vous aime. Genre, je vous calculerai plus. Demain, tu vas m'insulter, je te calcule pas. Demain, tu me proposes un tête, je le refuse. Pas parce que je suis un PD. J'ai cassé tous mes têtes, zéro défaite. Je reste sur mes victoires. Ça veut dire que c'est fini. Je me bats plus. J'ai plus envie. Donc, tous ceux qui veulent se battre avec moi, je vous le dis aujourd'hui en direct, je refuse tous mes textes, c'est catégorique. J'ai plus envie qu'il y ait des vidéos de moi où je suis en train de me battre. J'ai plus envie qu'il y ait des vidéos de moi où je suis pas coiffée, en train de crier, faire la niaf. C'est fini. Là, j'arrive dans un nouveau registre. J'arrive dans un nouveau registre. Je vais m'habiller classe. J'ai 21 ans. J'ai plus le temps de tout ça. Maintenant, ce que je vais vous proposer sur les réseaux, c'est autre chose. J'ai plus envie de vous proposer des bagarres, des trucs comme ça. J'ai plus envie. Ça, c'était derrière moi quand je traînais avec des personnes. Parce que c'est facile de dire que, ouais, moi, je vous mettais dans la. Moi, j'étais une mauvaise fréquentation. Mais quand vous étiez avec moi, vous étiez content. En fait, c'est ça. Quand vous étiez avec moi, vous étiez content. Et là, quand vous n'êtes plus avec moi, vous crachez. J'ai craché sur aucune de vous. Et je le ferai pas. Que ça soit Inja, que ça soit H, que ça soit. Je cracherai pas sur vous. Je dirai pas vos secrets. Vous avez dit les miens, Merlish. Ça m'a plus renforcé que détruit. Voilà, j'ai à l'heure d'aujourd'hui, je me considère en histoire avec personne. Ça veut dire que toutes les personnes que j'ai mis dans la sauce, je m'excuse. Je vais pas dire vos prénoms, mais toutes les personnes à qui j'ai fait du mal, je m'excuse. Je suis désolée d'avoir pu offenser des personnes parce que les réseaux m'étaient montés à la tête. Parce que je le dis clairement, oui, les réseaux m'étaient montés à la tête. Et aujourd'hui, je m'excuse. Si j'ai pu faire du mal à certaines personnes, si j'ai pu offenser certaines personnes, toutes les mamans que j'ai insultées, je m'excuse. Toutes les personnes qui m'ont frappé alors que ils le méritaient, je m'excuse. Oui, je m'excuse pas parce que je suis un PD, parce que j'ai grandi. J'ai compris qu'en fait, dans la vie, il fallait grandir. J'ai 21 ans, je suis maman d'une petite fille que j'aime de plus que tout. Et que même si vous l'avez insultée alors que vous n'avez rien fait, vous avez insulté ma fille, hein, quand même, vous avez insulté ma fille. Une fille que j'ai eu une grossesse très compliquée. J'ai été alitée toute ma grossesse. Toute ma grossesse, je l'ai passée dans un lit. Vous avez insulté ma fille. Vous l'avez dit ça, non, non, non. Alors d'aujourd'hui, le seul combat que aujourd'hui, si je me bats, c'est pour ma fille. C'est pour ma mère. Ça veut dire que j'en veux à personne. Ah, t'as insulté ma fille, t'as parlé de ma mère. Je t'en veux pas. T'as parlé de ma mère? Je t'en veux pas. Je parlerai pas de la tienne. Je parlerai pas de ta vie parce que crois-moi que j'ai des choses à dire sur ta vie. Je le ferai pas. Toutes les gens, toutes les personnes, si vous pensez que vous m'avez détruit, vous m'avez pas détruit, hein. Vous m'avez pas détruit. Toutes les personnes qui se sont mises contre moi, vous m'avez pas détruit. Même à l'heure d'aujourd'hui, hein, Cartel, ABD, Oneless, malgré tout, je m'excuse si je vous ai fait du mal. Je m'excuse si je me suis mal comportée, si je vous ai blessé, je m'excuse. Toutes les per En fait, c'est parce que j'ai pas envie de dire tous les prénoms, parce que ça va. Même Naobeb, je m'excuse carrément. Tout le monde, pour vous montrer que je vous dois rien. En vrai de vrai, je vous dois rien. Si j'ai envie de faire la niaf, encore, si je veux, je continue de faire la niaf. Si j'ai envie de faire la niaf, je continue. Mais en fait, pendant trop longtemps, je vous ai montré.
la personne que j'étais pas. Pendant trop, trop, trop longtemps, j'ai montré quelqu'un que j'étais pas. En fait, je pense qu'il est l'heure de vous montrer la vraie Nissi, en fait. Il est l'heure de vous montrer le vrai personnage que je suis. Il est vraiment temps, il est vraiment, vraiment temps que je vous montre ce que je suis et ce que je vaux. Si vous voulez qu'on discute, on discute. À l'heure d'aujourd'hui, hein. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai fait des choses que je regrette, hein. Je regrette, franchement, je regrette énormément. Si je pouvais revenir en arrière sur certaines choses, je le ferais. Mais comme on dit, on n'a qu'une seule vie, donc je peux pas effacer mon passé, mais je peux rendre mon avenir meilleur. Mon présent, à l'heure d'aujourd'hui, sera meilleur. Il sera meilleur. Mais genre vraiment, je vais vous montrer ce que je vaux et ce que je suis en fait. Je suis pas celle que vous croyez, hein. Bon. Je demande rien en retour. Juste, faites votre vie. Arrêtez. Si vous m'écoutez pas, si vous m'écoutez pas, si vous ne m'écoutez pas. Si vous m'écoutez pas, si vous m'aimez pas, ne me calculez pas. Ne me calculez pas. Franchement, si vous m'aimez pas, ne me calculez pas. Si toutes les personnes que j'ai affichées, les vidéos que j'ai mises sur vous, je suis désolée. Voilà, c'est facile de s'excuser quand on est mal fait, mais c'est toujours mieux de s'excuser. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai la conscience tranquille. Voilà, je me suis excusée devant plein de personnes. Je suis pas un PD. Je suis pas un PD. Je le fais pas. Je le fais pas parce que j'ai peur de quelque chose, j'ai peur de personne, j'ai peur de personne. Que ça soit toutes les personnes qui sont en embrouille, j'ai pas peur de vous. Genre, j'ai pas peur de vous. J'ai peur de personne. Mais juste, en fait, j'en ai marre. En fait, j'ai eu une bouffée de maturité. J'ai sciencé. Vous avez bien vu que j'ai pas fait des directs. J'ai mis longtemps à faire des directs parce que je voulais vraiment faire un direct sincère. Et je pense que j'ai pas pu être plus sincère aujourd'hui. Ce que je vous dis aujourd'hui, ça va vraiment du cœur. Ça vient vraiment, vraiment du cœur. Et comme j'ai dit, je veux que donner le meilleur de moi-même. Voilà. Par contre, il y a des personnes, je me suis pas excusée parce que vous avez cherché. Hein. Genre, il y a des gens, vous m'avez fait du mal. Vous n'êtes pas excusée. Moi, je m'excuse auprès de vous, mais vous m'avez fait du mal. Hein. Il y en a, vous avez menti sur moi. Comme j'ai dit, je donne mon palabre à Dieu. Dieu va régler ça. Voilà. Bah voilà. Comme j'ai dit, maintenant, je vais lancer un nouveau concept. Tous les vendredis, enfin, tous les lundis, je vais lancer un thème. Et tous les vendredis, je ferai un direct pour parler de ce thème. Et je fusionnerai avec 10 abonnés pour qu'ils donnent leur ressenti. Donc, par exemple, lundi prochain, par exemple, le thème, ça sera racontez-moi votre pire souvenir quand vous étiez petit. Donc, moi, vendredi, je vais commencer. Je vais expliquer mon pire souvenir quand j'étais petit. Et après, je fusionnerai avec 10 personnes pour que en mode, ils racontent. Et chaque lundi, je donnerai un thème, mais chaque vendredi, on fera des fusions. Voilà.